Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau live, j'espère que vous allez bien. Je ne suis pas au milieu de ma caméra, c'est pas grave. Bonjour, bonjour. Et bah bienvenue, nous sommes vendredi matin, comme tous les vendredis matins, on va tester un nouveau jeu. Je ne sais pas encore quel jeu on va se lancer. Il y a quelques nouveautés sur le Game Pass. Il faudrait vraiment que je rajoute. Voilà, le nombre de personnes pour savoir s'il y a quelqu'un, et c'est mieux quand je demande des votes, c'est quand même plus sympa. Sinon, quand il n'y a personne, eh bien je choisirai moi, ce sera plus simple. Qu'est-ce qu'on a de sympa? Je regardais juste, il y a une nouveauté sur Hot Wheels apparemment. Ah, ils ont rajouté les défis quotidiens. Et ils ont rajouté... Ah, ils ont rajouté pas mal de choses. Je vais vous montrer vite fait. On va se mettre en Celtic Hour dans quelques instants. Je vais juste... Bon, au pire des cas, je peux laisser la caméra ici. Ok, ils ont rajouté des nouvelles choses là dans Hot Wheels. Le jeu a pris une nouvelle tournure. Il y a des défis quotidiens. Il y a apparemment... Le Hot Wheel Pass qui est disponible, donc il nous permettra d'avoir. Ok, de la décoration pour le sous-sol. Deux murs, deux sols, une porte, une déco, un canapé. Ok. On a la voiture Street Fighter Blanca. On a la voiture Wonder Woman, qui est très sympa. La Axel Racer Deora 2. D'être adapté d'un jeu. Elle est très sympa avec les deux snow, les surf. Ah, et la Leonardo des Tortues Ninja. Ok. Donc ça, c'est une première chose. Il y a une extension avec des véhicules de DC Super Vilain. Elles sont chouettes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Acheter, mais pas télécharger. Bon, j'ai les trucs installés. Track Builder. Alors, c'est ça les nouvelles pièces. Rolling Boulder Module améliore votre expérience de jeu grâce à un module supplémentaire pour le Track Builder. Ah, ça doit être une nouvelle, un nouveau lancement. Allez, ça, c'est les deux. Les deux thèmes. Ok. Bon, il y a des nouveaux défis, tout ça. On va pas perdre plus de temps. Ça a l'air d'être pas mal. Alors, moi, ce que je vous propose pour ce matin, c'est pareil. Il faut que je rajoute un truc. Bon, tant pis. On va tester, je pense. Game Pass. Voilà. Dans les ajouts récents, on a la bêta de Halo Infinite qui est sortie, éventuellement que je peux vous présenter. Ça changera un petit peu. Je vais juste repositionner ma caméra parce que ça me travaille. Voilà. Je peux vous présenter. Il y a One Step from Eden qu'on n'a pas essayé. Halo Infinite. Next Space Rebel là, qui peut être plutôt sympa. Qui est un créateur de fusées à envoyer, un peu dans le même principe que Cabal Space, mais plus réaliste. J'ai peur que le jeu soit difficile, parce que je connais rien aux fusées. Après, il y a un côté sympa où il y a des cinématiques avec des vrais acteurs. Le concept a l'air d'être plutôt sympa. On a Fate Tactics, mais qui serait que en anglais, pour le coup. Avec des graphismes pixels assez sympas, qui ressemblent en termes de mécanique de jeu à Final Fantasy Tactics. C'est-à-dire que suivant où vous êtes sur la case, votre attaque elle sera plus ou moins intéressante. Ça a l'air d'être très joli, mais le problème c'est qu'il est uniquement en anglais. On a My Friend Pedro. Alors jouez à ce jeu dès maintenant avec le Cloud Gaming ou installez-le pour bénéficier d'une expérience optimale. Ah, maintenant on va pouvoir carrément. Ah oui, c'est bien ça. C'est marrant, My Friend Pedro. C'est du run and gun. Très sympa aussi.
Donc voilà, maintenant avec notre connexion internet, on peut jouer à certains jeux. S'ils nous plaisent, on les installe. Et à ce moment-là, on a une. C'est bien ça, on a l'optimisation de la console. Alors voilà, my friend Pedro. On a EXO One qui sera un jeu hyper contemplatif. Où on va jouer un vaisseau et passer plusieurs niveaux. Je suis pas sûr que ce soit bien intéressant. Flight Simulator. EXO One, ça a l'air sympa. Ouais, ça a l'air d'être un peu chill. Juste le temps de la cinématique. Ça a l'air chouette. Il ne doit pas y avoir grand chose à faire, c'est pour ça que je me dis, c'est pas si c'est une bonne idée. Les musiques sont sympas en tout cas. J'ai raté ma tasse de café. Et il y a un dungeon, un énième roguelike. J'aime bien les roguelikes chez Microsoft. Mais ça a l'air pas mal aussi celui-là. Un petit peu plus dynamique, un petit peu de scénario. J'avoue qu'il y en a beaucoup qui me chauffent à tester là. Ça qui est, je savais. Ça aussi, ça a l'air d'être marrant. In case you've been living in a cave, the space Star Tube. Race is on. Ça a l'air d'être assez réaliste, assez sympa. La course à l'espace et tu construis ta fusée dans un garage. Ça a l'air classe, hein? This is our moment, the birth of a new digital future. Together we can democratize space and launch a vigilante DIY internet. One that we ça a l'air pas mal, ça aussi. Launch and own ourselves. J'aimais les jeux avec des acteurs. Tony Hawk, c'était ça. Enfin, c'était des sportifs. J'ai pensé un peu à ça. Alors, qu'est-ce qui vous chauffe? Qu'est-ce qui vous chauffe? Next Space Rebel, EXO One ou Un Dungeon? Je voulais choisir. Je sais pas combien vous êtes. Attendez. Parce que à chaque fois je fais ça, et à chaque fois je sais jamais combien vous êtes. EXO One and Dungeon, ok. Mais. J'essaie de mettre mon système. Bon, je fais des bêtises, c'est pas grave. Ah, là 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 là. Voilà. On va mettre ça ici. Ok, bon.
Il n'y a que Sac pour l'instant, mais c'est pas grave. Sakiel, tu as le plaisir, ma chérie, de choisir le jeu de ce matin. Comme ça, les gens qui seront en rediffusion et qui passeront nous voir, ce sera la même chose. Qu'est-ce que tu préfères? J'avoue que Exo One, finalement, si le choix entre Dungeon et Exo One, moi je serais plus chaud Exo One. Merci pour le hydraté, j'avais pas fait attention, ça fait 10 minutes. Allez, Exo One. Ça roule. Allez, Exo One pour ce matin. Voilà, c'est quand même un peu mieux déjà à 9h. Les streams. Alors pour le coup, si vous nous découvrez, on a changé le système. Tous les vendredis matin, on teste un jeu à partir de 9h jusqu'à 10h30. Un jeu du Game Pass généralement. Je pense que je vais peut-être mettre la caméra en bas à droite sur ça. On va partir en cette cactu. J'ai mis à jour Exo One. On va lancer le jeu. Ah, c'est bien, la caméra est déjà en bas. Let's go. Ah, un régal. Je sais pas si je vais remettre peut-être le nombre de viewers. Ça va peut-être être utile. Ouais, on va se remettre ça, peinard. Ici, là. Ouais. Paraît pas mal. Et puis si ça nous embête, on l'enlève. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Exo One. Un jeu du Game Pass qui a l'air bien. Un jeu du Game Pass qui a l'air beau. Un jeu du Game Pass qu'on va découvrir ensemble pendant une heure. Donc, j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à follow la chaîne, à partager tout ça, à boire un café, à faire un bisou à vos animaux de compagnie et à votre famille. Ça n'a aucun rapport et je m'en tape. Nous allons... C'est insupportable, ce garçon. En plus, il est malin. Il n'a pas du tout cliqué sur le bon overlay. Je disais donc le Celtic Hour. C'est mieux. Alors, on va juste... Je pense qu'on va se décaler ça en bas à droite et on va surtout réduire. On va réduire un peu ça. Quelques tiny mini réglages as usual pour votre plus grand plaisir. Bien évidemment, chers amis. Voilà. Quelque chose d'un peu plus petit. On a l'heure qui déconne, mais ça faut pas y prêter attention. Je sais pas pourquoi. Que ce soit quand même visible un petit peu. Voilà, on a un joli cadre. On a, évidemment, on va rajouter le nombre de personnes qui partagent cet instant avec nous. Ça va être plutôt intéressant. Voilà, une personne pour l'instant. C'est ma magnifique chérie. Elle est là. Un soutien infaillible. Voilà, on a un bel overlay, on a un Celtic Hour qui est prêt, on a un petit bisou qui apparaît sur l'écran, bisou à toi aussi. Je mets pas le chrono tout de suite parce que on va, comme d'habitude, vérifier quelques petites bricoles avant de se lancer dans une heure de gameplay. Déjà bon point, nous avons plein de langues différentes, effet de la musique. Alors, on va baisser un petit peu les effets peut-être pour profiter du son. Parce qu'apparemment, il y a des riffs de guitare et des choses assez sympas. Je vais sauvegarder ça. Vidéo, gamma, champ de vision, ne touche pas. Les commandes inversées, l'axe X et Y. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand on appuiera sur le joystick en bas, on va monter. Et quand on mettra le joystick en avant, on va descendre comme un vrai pilote de navion. C'est vrai qu'à 9h, j'ai un peu plus la patate. Bonjour à toi qui nous rejoins sur le Celtic Hour. Bienvenue. C'est plutôt intéressant, finalement. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, petits et grands, papa et maman, poisson rouge et peu importe qui vous êtes, bienvenue encore une fois sur ce stream. Nous partons pour une heure de gameplay, une heure de découverte, une heure de partage sur le Celtic Hour, uniquement sur la chaîne de Celtic Roba. C'est parti! Il n'a pas appuyé. J'avais oublié d'appuyer. Avertissement! Oh, j'ai rompu les liens qui me rattachaient à la Terre et dansé dans le ciel sur des ailes riantes et argentées. Et accompli une centaine de choses dont vous n'avez jamais vu mes genoux. La Terre. Je vais pas vous faire l'affront de lire parce que ça va être...
Le seul survivant de la désastreuse mission Jupiter a été déclaré. C'est à moi que le signal... Ok. Bienvenue. Sagan 4. Il y avait Sagan Africa, mais c'était déjà pris. Traction gravitationnelle. Ok. Donc là, on parle technique, hein, bien évidemment, très important. Cependant, il ne reste juste ici que la théorie. Oh, un rayon de lumière. Je veux dire qu'il est déjà parti. Ah oui, d'accord. What the f... Ok. RT élevé. Relâché pour voler. Ok. D'accord. Sympa. Qu'on a un système de gravité. L'idée, évidemment... Heureusement qu'on a... Voilà. C'est pas évident, hein. J'ai l'impression que je puisse me déplacer ni à droite ni à gauche. C'est très très compliqué. Lâcher. Voilà. Ah bah si, il y a un déplacement. On utilise les dunes, on relâche. Ok, jusque là tout va bien. Planer. Ok. Ah. C'est pas... Ok, d'accord, on est là en mode vraiment... Double saut. J'ai l'impression que le système doit se recharger. Là, il y a de la, voilà, il y a de la lumière en fait au milieu. Il faut récupérer la gravité. D'accord, donc quand on prend la gravité, on récupère de l'énergie qui est représentée par le halo de lumière sur la sphère. Quand j'ai plus, je peux plus planer. Je peux faire un double saut par contre en attendant. Ah ouais, oh vache. On va aller récupérer les trucs qui brillent là. Est-ce qu'on peut faire demi-tour? Oh shit, c'est un open world, je pense. Ok. Source d'énergie détectée. On va essayer de passer par là et de choper ce machin. J'ai eu. Niveau de puissance augmenté. 1 million 250... Non, 1 000... Mode détente étendu. Énergie stockée, freinage maximal, flux stabilisé. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un truc qui s'est passé. Ok. Donc on a quand même des petits objets à les choper. Alors c'est très marrant parce qu'on a une... Le cadre de... L'écran. Qui est à des petites croix. Plonger, s'élever. Ok. Oui, bah on avait déjà compris ça.
Ouf, ok. Supersonique, vous avez franchi le mur du son. Ok. J'ai pas fait exprès. My bad. Distance du motolide transporté. Transport réduit à 40 km. Le concept est vraiment très sympa. Alors oui, je disais, pour le coup, on a une caméra qui suit notre vaisseau, qui fonctionne à la gravité. On peut en fait essayer de voir un petit peu tout ce qui se passe. Il n'y a pas vraiment de... Ça fait penser à Rencontre du Troisième Type un petit peu. Est-ce que quand je plonge, j'emmagasine de l'énergie? Ça, c'est la vraie question. H-, effet de sol. Vous êtes resté près du sol en planant pendant 5 secondes. D'accord, ok. On peut pas aller où on veut. Il y a une zone jouable. Je pense peut-être que pendant les Celtic Hour, au lieu de rusher le game, on essaiera plutôt de tester des choses. Prendre de la hauteur. D'accord. On peut rouler. On va aller au beacon. Au signal, pardon. J'ai tendance à parler anglais des fois, faut pas m'en vouloir. Voilà. Là, en fait, si on emmagasine de l'énergie, qu'on peut faire des vaguelettes. C'est pas grave. Ça y est, je commence à avoir le jeu en main. Faut prendre de la hauteur. Distance du monolithe de transport réduit à 20 km. Faut vraiment utiliser les pentes. Et hop! Oh, il y a des cailloux. Des astéroïdes. Sakel, encore une bonne idée, bien évidemment, je tenais à le dire. Haut et fort sur ce live. Si jamais vous savez pas à quoi jouer, si vous avez un doute, vous envoyez 3615 Sakiel. Posez votre question et vous aurez toujours une réponse positive. Hey Boubou, welcome! Comment vas-tu mon ami? Merci d'être là. Ça va? Bienvenue. Et hop. Ok, j'annonce, on le fera en live. Je vais le rajouter dans les jeux solo, mais... Qu'est-ce que c'est bien? Plus de voix. Ah! Ça sent le streamer qui a déconné, non? N'aurait-il pas chanté à tue-tête? Tagada pouette pouette. Alors, ok, on a les flashs de l'équipe qui sont allés sur Jupiter. Donc là, l'histoire de ce qu'on a compris, une mission sur Jupiter qui a mal tourné, il y en a qu'un qui a survécu, ils ont reçu un signal pour construire ce vaisseau, et on va essayer de retourner apparemment sur Jupiter pour sauver... Aïe, ah oui, alors faut faire attention parce qu'on peut tout casser. On peut freiner ou pas? Oula. Ok. Je vois pas de quoi tu parles. Ok. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Quoi qu'il arrive, promets-moi que tu vas revenir, d'accord? Clara. Ok, on commence à voir un peu le nom de l'équipage. Tu vas tellement me manquer. On dirait la pacata. Pardon. Okay. No will.
Ah! La lumière du soleil. Ah, on va devoir retrouver, je pense, à chaque fois des choses comme ça pour se catapulter sur d'autres planètes. Orbiteur Jupiter. On approche de l'orbite haute au-dessus de Jupiter. On vous reçoit de l'autre côté, bonne chance. On vous revoit de l'autre côté, bonne chance, pardon. Malin ce haut couteau, malin. Et parce que c'est comme tout, quand t'es dans l'espace, des fois tu passes derrière la planète et le signal est coupé. Ah, donc entre chaque planète, je pense qu'on aura une bribe de scénario. Les plans ne semblent pas faire mention d'un cockpit ou d'un espace interne où on pourrait se tenir un pilote. Du coup, comment va-t-il être possible de le faire voler? Je crois qu'il est important que nous arrêtions de penser en termes humains et que nous fassions confiance à leur plan. Et pour votre information, il est capable de bien plus que juste voler. Ok, nouvelle planète. Juste faire un tour sur nous-mêmes. Oups. Ah, elle est gelée la boule. On n'a rien à récupérer. Putain, c'est classe. Plus d'énergie. Tout, tout, tout. On prend l'énergie à fond. Et hop! Alors, l'idée c'est d'aller toujours vers le signal bleu. Et si jamais on a un signal blanc, il faut le choper au passage. Tiens, qu'est-ce que c'est que ces petits trucs qui brillent? Ah, en planant, ça me permet de passer au-dessus des fossés. On a un truc blanc qui brille là-bas, je pense qu'on va aller voir ce que c'est. On va monter. Ouf. Oups. Bon, c'est très calme, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire en termes de mécanique de jeu. Le système de gravité qui est vraiment cool. Je pense qu'il y a des endroits, des lieux qu'on va... Oh, ça c'est classe. Source d'énergie détectée. Je crois qu'il y a des petits chats qui font des bêtises. Ok. On a des courants d'air. Bon, on a notre. J'ai l'impression qu'il y en a un à chaque fois à choper. Bah, allez, bravo, cher ami. Niveau de puissance augmenté. Ah, on commence à avoir des structures lisses. Mode descente étendu plus d'énergie, freinage maximal, flux stabilisé. Par contre, on m'a pas appris comment freiner. On va peut-être essayer d'aller là. Ah oui. On va aller prendre le courant d'air. Il n'y a plus de lumière, c'est assez bizarre. On va pas plus vite. Pas trop. Où on va? Là? Ouais? Je te prends? Ok. Let's go. I take it. Je suis transporté dans ce courant d'air.
Faut juste se laisser porter par le vent. Ok, on a passé une phase. Putain, c'est chouette, hein. Dis-nous. Je vais vous faire rire, vas-y, vas-y. Je regarde s'il n'y a pas autre chose. Il y a des choses qui brillent. Avec un peu de chance, ça passe au-dessus. Ah, dans les... Oula. Il y a eu... Ah, d'accord, suivant les nuages, on peut... Je me croyais jeudi. Ah non, non, t'as gagné un jour. On est vendredi. J'ai plus de... d'énergie. Bah, je suis bête. Ah ouais, ok. On le voit, le passage à... À la vitesse du son, ça fait un nuage de fumée. Oh merde. J'arrête pas de me... T'as, quand on est dans les nuages, en fait, ça nous fait remonter. Oh, c'est stylé, hein. Ça fait que, en théorie, on peut pas descendre plus bas que ça. Ah, par contre, je peux gruger en restant dans les nuages. Ça me fallait beaucoup plus vite. Jupiter. Ah si, je peux freiner en... En mettant le joystick vers l'arrière. Ah oui, ça fait que je freine depuis tout à l'heure. C'est quand même agréable avec les gâchettes Xbox. Là, il y a des choses bizarres. Boum boum. Allons voir ces cubes. Il a de l'énergie pure. On va essayer de faire demi-tour. Ah oui, d'accord. Wouhou! Objet non... Non casual détecté. Oui, bah oui, c'est vrai qu'obtention des données, ça va nous aider, ça. C'était relativement stylé. On va essayer de prendre le deuxième. Aïe. Bam. Ça nous permet de gagner de la... De la vitesse. La vitesse, ça nous permet de gagner de la vitesse. Pardon. Hop. On est centré. Et... Ok. Faut que j'arrête de jouer avec le joystick. Contact perdu avec l'objet. Ah, va falloir... Oh là. I can't see anything. Je vois plus rien. Ah, c'est pas bien chargé, là. Petit problème de texture. Ah non, ça va. Théorie. Je pense qu'il faut que je suive. Ah voilà. Il y a un trou dans la roche. Non?
Y a pas de trou dans la roche. Ah, là. Non. Une grotte. Ah, c'est marrant, de ce côté, les textures sont pas chargées. Commence à réfléchir un peu. On va essayer de passer par-dessus. Ah bah voilà, en fait, il fallait juste toucher le dessus. Bande de patates. Ah, la photo de l'équipage qui est apparue très brièvement. Ah, dommage que vous puissiez pas être avec nous, commandant. C'est incroyable. Ça pue, hein. J'annonce. On est officiellement en train de nager dans l'atmosphère de Jupiter. On a une importante activité orageuse maintenant. Très peu de visibilité. Quirinus 2. Oh, une planète de lave. De Floris Lava. Par contre, c'est bien d'envoyer ça, mais comment il récupère l'équipage? C'est une petite sphère, il n'y a pas de copilote et tout, c'est ce qu'il disait. On verra bien. Alors, où suis-je? Oula. Ah, mais il y a du vent. J'en chie. Attendez, il y a quelque chose devant. Il y a une autre sphère. What the fuck? Ah oui, il est joli. Hein. Ça, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, comme on dit. Il est magnifique. Les contrôles sur cette atmosphère, c'est pas la même. Hein. Parce que si je peux le rattraper ce machin ou pas. Objet disparu, tentative de reconnexion. Déchirure. Parce que là... On va essayer d'utiliser le nuage pour... monter.
Pas évident celui-là à aller choper, hein. Ouais, j'ai testé Boubou Unpacking. Oups. Il est très sympa. Mais on a trop de jeux à tester et que des missions par semaine. Malheureusement. Oh, mais je me suis mis dans la merde sans le vouloir. Donc on peut bien choper ce petit... On va essayer de reprendre de la vitesse. Faut que je prenne les nuages. Pas le fait, je me suis bloqué. Enfin, je me suis bloqué. Non, je peux y avancer, je peux avancer, mais c'est pas le problème. C'est qu'il me faut de la vitesse. J'aimerais bien reprendre ça. Bon, allez, zut. Hein. On va avancer parce que sinon, lundi, on y est encore. N'arrête pas de passer le mur du son, mais... Pour aller le choper lui en haut, là, bonjour. Je craquais hier, ça m'a saoulé d'Angers. Le double saut pour essayer de prendre de l'altitude. Bon là pour le coup on n'aura pas le truc. C'est de la lave. Ok. Le truc c'est qu'on peut pas planer indéfiniment, c'est là où c'est... Oh oui, dans un packing, je me doute bien. Oh de la lave. Ah, ça va être chaud, sans faire de mauvais jeu de mots. Faut que j'essaye de trouver... Voilà, ça. Oh, quoi qu'on peut rouler où on veut. Je suis perdu. Ah, c'est bon. Ouais.
Quoi un succès? Mur du son, Queen is 2. Vous avez maintenu une vitesse supérieure à celle du son pendant 6 secondes. Ah putain, mais il y a plein de succès à faire. Aïe. Ok, ça fait rien. Le vaisseau étant... Et en titane, je veux dire. Alors, on va laisser rejoindre la balise. Deuxième tour. Faudra regarder les succès plus tard. On se fera peut-être une session. Je pensais à mettre en place une espèce d'émission. Je sais pas trop comment l'appeler, mais un truc qu'on essaiera de retourner sur des jeux qu'on a déjà fait. Et d'essayer de faire des succès. Un peu de truc challenge, etc. Aïe. Il commence à nous faire tourner. Il faudrait que j'accède là. Ah bah ça marche. Allez. C'est bon là, si j'arrive à choper ça, on peut grimper. C'est parti. Caméra déconne un peu quand t'es trop lent. L'épreuve. J'ai pas compris, sac. Et bam! Ok, on aura pas mal de défis, on pourra faire pas mal de choses dessus. Et on va voir ce que le jeu a nous offrir encore pendant 25 minutes. Les relevés énergétiques sont bizarres. Une sorte de courant comme celui de la foudre, mais stable. Ils ont trouvé quelque chose sur Jupiter, en fait, pour un nom. Ah, ok. Ok, bah, garde le nom en tête. Mais oui, ça pourrait être pas mal. Ah, on est dans un champ d'astéroïdes. D'accord, l'impact du vaisseau... Nautica. L'impact du vaisseau dans l'atmosphère, ça a poussé des astéroïdes. C'est quoi ce bruit? Détenez-moi ça, je peux pas me concentrer. Ah! Les horloges s'affolent, surcharge de système. Orbiteur Jupiter, on a un problème, il y a un incendie. Ah, la sphère qu'on a vue, je crois que c'est le vaisseau de Jupiter. Je détecte une importante concentration d'énergie devant nous. On n'a plus le temps de lancer les capsules de survie. Oh, ils se sont fait attraper par le rayon bleu. C'est terminé. Oh, cool, dans l'eau. Ah, il y a un fond. C'est Subnautica. Waouh. D'accord. On peut utiliser les météorites qui se crashent comme tremplin. Ah, l'eau, ça nous ralentit. Oula. Jupiter? Ah, on a le beacon blanc. Faut qu'on aille le chercher. C'est Jupiter en face, j'ai l'impression. Hein.
pas rouler. Wow. C'est assez stylé. Des nuages sur lesquels on peut passer. Ok, on prend la chaleur des astéroïdes. Bon. Oh oui! Envole-toi! Petit oiseau. Quoi? C'est pas un oiseau. Oh, d'ailleurs, dans les jeux comme ça contemplatifs, il y a un jeu qui s'appelle Aeris ou Aero, où il y a même The Falconeer aussi. Que je pourrais vous proposer un de ces quatre. Ah, cool. Une enveloppe nuageuse. Bah, plus de power. Oula. Il y a eu un coup de vent, là. Ça m'a déporté sur la droite, laisse tomber. Ok, l'explosion de derrière qui me pousse. Parfait. C'est Sea of Thieves. Ça a changé, mais ça marche. Sea of Files. Oui. Ok, on va essayer de prendre le nuage. Zut. J'aurais peut-être pas assez de puissance pour grimper. Oh yes. Par contre, je sais pas si c'était une bonne idée. Ah mais attendez. Là les vagues, mon pote, laisse tomber. On a perdu pas mal de vitesse, mais en même temps, les vagues, elles nous embêtent. J'arrive pas à prendre plus de hauteur pour reprendre plus de vitesse. Plouf. Est-ce qu'on va pouvoir le prendre, celui-là? Sea of Flies. Ah ouais, bah c'est bon. Je m'ai trompé encore. Les mouches, pas les fichiers. Oui, bah je me suis trompé, c'est bon, hein. Est-ce qu'on peut grimper là-dessus? Oui. On a l'air de pouvoir monter. Allez, on va prendre de la vitesse. Boum.
Non! Ils sont grave durs à choper, hein. On entend des gens dans l'enregistrement, enfin dans le la sphère d'énergie. Oh, j'avais pas vu le ciel avec toutes les météorites. Allez, on recommence. Je pense qu'il faut pas planer trop tôt. Sinon, on est foutu. Yes! On est bon. Plus d'énergie. Bon, il est derrière le signal. Je pense qu'il faut vraiment les choper ces trucs-là pour être peinard après parce que ça n'a pas l'air d'être très évident. Où est le signal? Là. Ah, dès que je frotte sur l'eau, ça crée de la puissance. De faire des ricochets. Hop. Tu me diras, dans l'eau, on est pas mal, on avance vite. Là voilà la balise. Oula, qu'est-ce qui se passe? Impact imminent. H moins 5 secondes. Non, ça va taper dans le... Centre de contrôle, orbiteur Jupiter ici, centre de contrôle. On attend toujours votre rapport de situation à vous. On n'a plus aucun signe du survoleur. Confirmez, s'il vous plaît. Vous me recevez? À vous. Le centre de contrôle a perdu le vaisseau sur Jupiter. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Ah,
Apparemment non. Apparemment non. Système surchargé. Ah, je me demande l'alimentation. Présumé mort après avoir perdu le contact avec Jupiter il y a maintenant un an. Vient de s'arrimer à la station spatiale internationale. Ah, c'est le capitaine. À peine quelques heures après le retour de Jupiter, les télescopes terrestres ont intercepté ce qui semble être un signal extraterrestre. Donc un an après le crash. Bon, il va falloir aller plus loin. Ah, c'est marrant, on a deux balises bleues. Normalement, il n'y en a qu'une. On va déjà essayer d'attraper le système, la sphère. Il y a trois balises. Par où l'attraper, par contre? Ah, un rapport, enfin, un journal. On va essayer de choper ce qu'il y a à droite. Ça nous emmènera peut-être plus facilement à... à l'autre sphère. Ah, je pense qu'il faut récupérer les morceaux de la balise. Non, c'était pas ça. Pic d'énergie du motolithe. Ah bah si, c'est ça, chargé à 33%. Donc c'était bien ça, il faut récupérer les morceaux du monolithe. On va surtout récupérer la sphère blanche là pour avoir un petit peu plus d'énergie, pour que ce soit plus facile. Ricochet. Ah, je me suis peut-être un peu trop fracassé sur sur le fond des océans. Non! Zut. J'aimerais grimper sur le flanc de montagne pour essayer d'attraper le... voilà. Là. Ok, on va essayer de prendre un peu de vitesse. Parfait. En plein dedans, normalement. Pfff. On va essayer de faire un grand tour avec les nuages. Voilà.
On devrait être bien. Fais-moi plaisir. Yes! Allez, on va aller chercher l'autre morceau de monolithe. Attendez, il y en avait un autre à droite, je crois. Bah, je sais plus. On va aller à celui qui est devant. Et je pense que ce sera la fin de notre Celtic Hour. Voilà ce qu'il fait. De toute façon, il faudra que je fasse demi-tour parce que la charge du monolithe est derrière moi. Donc, bah, on va pas s'embêter, on va aller devant. Hein. Ouh, là, il fait froid, glagla. On va double saut. Ça nous permet de prendre pas mal de hauteur. Une île croissant. Oui, problème. Ah, c'est bon. Si jamais on perd un peu de l'altitude, faut faire un piqué et planer. Voilà, on va essayer de passer par là pour faire demi-tour. C'est l'idée. Pic d'énergie à 66,66%. Tu vois que ça va être 99,99%. Allez hop. Je sais pas où on va. Hop là. Voilà, on l'a trouvé. Oula. Boum. Ouais, ça va, on arrive à faire pas mal de choses sympas. Hein. Ouh, là. Boum. Un thé. Il suffit que je le dise pour que ça me cacahuète. Ouh. Et hop. Voilà, le monolithe chargé. On va se prendre une vitesse, je vous explique pas l'histoire. Boum, chargé. Ah, il y a encore un truc à gauche, là. On remonte. On va avoir un petit peu de scénario. H- mur du son Nautica 2. En fait, il faut faire le mur du son dans toutes les maps. Donc c'est des grandes cartes ouvertes en fait. On doit récupérer un objet blanc et aller à la balise à chaque fois sur des planètes différentes avec. Je crois que tu étais mort, je pensais. Tu as dû te sentir si seul. T'imagines Jupiter, la Terre, tout seul en un an ? Dans une capsule de sauvetage. Tendu. Daramulum. Mouloum. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le signal, il vient de Jupiter, n'est-ce pas? Wow. Amiral Bond, impossible de déterminer son origine exacte. Il est tout autour de nous. Boum. Badaboum. Wow. Ah ouais. Ah ouais. Peut-être pas arrêter tout de suite, on a une planète de forêt, enfin. Ça m'a ralenti, ça.
C'est joli, hein. Passer dans les... Ah oui, d'accord. Wow. Une sphère devant. On va essayer d'aller sur le... Aïe. Là. La surface est plane. Combien de temps il nous reste? Pas longtemps. Allez mon petit. Tu peux monter. Prendre un peu de vitesse. Toujours le double saut. Dès que je touche le sol, je peux sauter deux fois. Mais c'est un vaisseau, mon dieu. On peut aller dedans. Boing. Ok. Oups. Ah, la gravité m'a remis bien au centre, elle m'a détendu. Non, bah tant pis, hein. Où vais-je? On va aller de l'autre côté. Bon, de toute façon, il nous reste une minute, on va sans doute pas terminer celui-là, mais... Peut-être qu'on peut le traverser, le vaisseau. Oh zut. Demi-tour. Oh! Bon. Succès, encore. Mur du son. Je sais pas s'il y a un intérêt à aller là. Parce que je m'embête là depuis tout à l'heure. Tu sais, il y avait un autre passage. Qui est juste là en fait. On va aller voir cet autre passage, tiens. Non, raté la gravité. Ouf. Ah bah il y a une autre sphère, tiens. Voilà, on va aller voir. De toute façon, on va avoir terminé là. Hop, l'eau pour rebondir et passer. Tiens, non. Juste avant l'incendie. La sphère est tombée, désolé, je vous remets ça juste pour la fin de la cinématique, et après on part en after. Non mais c'est moi qui joue. J'ai pas tout compris là. J'amène la bière. Ils l'ont tous entendu. On va vite fait finir ça.
Je ramène les chips. Ah, mais attendez où? Parce que là, on dirait qu'il y a un morceau de vaisseau comme si c'était le vaisseau de Jupiter, mais c'est pas possible. Oh là là. Je continue à l'attendre comme s'il faisait partie de moi. Ah, mais c'est de là d'où on vient. C'est ce qui ressemble de plus à une structure type vaisseau. Ah, c'est peut-être comme ça qu'on pourra le traverser. Accès refusé. Considéré inapte. Session d'entraînement. Le signal, je ne peux pas. On est où là? Ok, on va s'arrêter là. Une ville? Ah, on est bien de l'autre côté. C'est ce que je disais. Il est où le bassin? Là. Ok, le signal est là, on a un objet blanc ici. On va s'arrêter là les amis, on va se passer en after. Il y a des coordonnées géographiques sur le truc. Votre progression sera sauvegardée, le niveau va reprendre depuis le début. Ok. Nouvelle partie, ou continuer. Faut faire la planète d'un coup, apparemment. Ouais, faut faire la planète d'un coup. Ben on le saura, pas de sauvegarde au milieu. Recommencer menu. Ok, pas de problème. Bon, écoutez, on s'arrête là pour le test du Celtic Award de 1 heure. Pardon, qu'est-ce que vous en avez pensé pour ceux qui sont sur le live? Qu'est-ce que vous en pensez de ce Exo One? Si vous avez des choses à dire, bien évidemment. Joli. Ouais. Graphiquement, il est très 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 sympa. Le scénario est plutôt... Moi, j'aime bien tout ce qui est science-fiction, espace, exploration et relaxation, pas mal. Ouais. Puis c'est pas compliqué, il y a un petit peu de challenge pour aller choper 2-3 choses avec le système de gravité qu'il faut prendre en main. Mais le scénario, pour le coup, est plutôt simple. Une expédition qui se perd sur Jupiter, un seul survivant, un message qui arrive de Jupiter, et ce message contient les plans, en fait, de ce que j'ai compris, pour créer ce fameux vaisseau sans pilote qui fonctionne à la gravité. Et de ce que je comprends, on va essayer de rejoindre Jupiter avec ce vaisseau en passant par différentes planètes. Vu qu'on a des bribes de souvenirs, je suppose que c'est le voyage inverse de la personne qui a survécu. Puisqu'il y a des fragments, des choses comme ça. Et ça, c'est pour le scénario. Donc après, pour le gameplay, effectivement, le côté vol, les mécaniques de jeu, en fait... J'ai cru que j'avais pas fini mon café. Les mécaniques de jeu, en fait, on va gérer gravité et plane. Il faut prendre ça déjà en main, c'est pas évident au début, vous l'avez vu. Mais après, une fois qu'on a pris le coup de main, c'est plutôt agréable à jouer. On a avec le joystick le fait de pouvoir accélérer ou freiner. Il faut bien faire gaffe quand on prend de la vitesse à pas vouloir tourner et freiner. Je me suis fait avoir plusieurs fois. Il y a pas mal de gestion, justement, de tout ce qui est inertie, pour pouvoir choper des objets qui sont assez loin, faire certains sauts. La quantité d'énergie aussi qui est cumulée avec la gravité. Plus on va descendre, plus on va cumuler la gravité. C'est représenté par la matière orange lumineuse qui est dans notre vaisseau. Donc elle va s'épuiser quand on va planer, elle va se regagner à chaque fois qu'on va prendre de la vitesse. Voilà, on peut jouer avec les flancs de montagne, avec le terrain inégalé pour prendre de la vitesse, sauter. Un peu comme les Tony Hawk, dans l'idée, c'est un peu des half pipe, de partout. Mais le concept est vraiment très sympa. Et graphiquement, pour passer à la partie graphique, il n'y a pas grand chose à dire. C'est un jeu contemplatif, donc c'est forcément joli. Quelques problèmes de texture, on l'a vu, sur une planète ou deux. Mais rien de vraiment très désagréable, parce que de toute façon, on va pas rester 200 heures sur la planète. On va avancer assez rapidement. Là, on a fait deux ou trois planètes en 1 heure.
Donc, plutôt cool. Graphiquement, c'est très sympa. Voilà, chaque planète a son petit design différent. Là, on était sur une planète de forêt. On a eu la planète Nautica complètement d'eau, la planète de lave, qui était vraiment très sympa. La première, un peu de sable, de dune. Donc voilà, chaque planète a son petit côté unique. C'est ce qui rend le jeu très sympa, parce qu'on a envie de... Bah, en fait, là, moi, ce que je ressens quand je joue à ça... L'OST aussi qui te transporte la musique, et après je vous dirai mon ressenti, mais la musique qui te transporte littéralement à travers le jeu, c'est narré au fur et à mesure avec des petits flashs, comme si c'était des souvenirs en fait, qui pop pour construire l'histoire jusqu'au dénouement. Et tu, moi en fait, quand j'ai ce jeu en manette en main, j'ai envie de connaître l'histoire. Parce que ça m'intéresse, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est que ce vaisseau, qu'est-ce que c'est que ce signal. Et ça va pas trop vite, ni trop lentement. Tu perds pas de temps en fait. On passe par les planètes, on a un petit peu de scénario, petit à petit. On a ces mécaniques qui nous transportent, qui sont pas compliquées. On n'est pas censé s'énerver normalement quand on joue à un jeu comme ça, sauf si vous voulez choper 2-3 objets. Il faut réfléchir un petit peu. Je ne sais pas s'il y aura un système de New Game Plus pour refaire les planètes les unes après les autres. Après, on a 28 succès. Terminer le jeu en moins d'une heure. Voilà, bon, par exemple, on peut le torcher rapidement. Récupérer les bonus d'énergie. Planer près du sol à une vitesse supérieure à celle du son. Atteindre une hauteur spectaculaire. Le jeu en moins de 90 minutes. Nautica, bon après il y aura plusieurs planètes. Mur du son sur chacune des planètes. Supérieure à celle du son, etc. etc. Donc c'est pas très compliqué. C'est maintenir une vitesse, atteindre des hauteurs. Donc je pense qu'on pourra peut-être se refaire une. Bah, l'émission L'épreuve, tiens, ce que c'est qu'elle proposait en termes de titre. Mais voilà, c'est un jeu qui est très relaxant, qui est vraiment magnifique, que je pense. Calé pour qu'on le termine. D'ailleurs, je vais le rajouter juste après le live dans les jeux solo à finir, parce qu'il n'est pas très long. On peut le torcher en une heure. Donc, faudra déjà le finir une fois, voir si les bonus se gardent pour tout ce qui est énergie et tracer le jeu, essayer de faire ce système. Voilà, on sera des soirées un peu épreuves. Ça pourrait être plutôt pas mal. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter éventuellement sur ce Exo One, chers amis? Quelque chose que j'ai oublié, quelque chose que vous souhaiteriez partager. Je vais mettre un peu de musique, tiens. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? C'est pas la source média. Vais rajouter la musique. Non, c'était pas ça. Rien de spécial à rajouter? Ok. Eh ben écoutez. Je vais juste coller ça ici. Et puis, bah écoutez, je vais vous laisser pour ce matin. Le stream a bugué, pas de souci. Ça vient pas de mon côté. Pour le coup. On va mettre ça comme ça. Ok. Bon, bah écoutez, si c'est tout, on va se laisser ici pour ce Celtic Hour. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment sur cette très belle découverte. On continuera en live au courant de la semaine ou la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci. Je vais le rajouter dans la liste des jeux solo. Mais j'ai envie de connaître le dénouement. Peut-être ce soir, d'ailleurs, puisqu'on est vendredi, je me dis pourquoi pas le torcher maintenant qu'on est dedans. On aura tout d'un coup. On verra au gré des envies, comme d'habitude. Vous commencez à connaître un peu le système sur la chaîne. Donc, voilà. Et bien, écoutez, merci encore d'avoir passé votre temps avec nous. J'espère que vous avez passé un bon moment, que le jeu vous a plu, que ça vous a donné peut-être envie d'y jouer. Si c'est le cas, bah, tant mieux. C'est le but de l'opération. Et puis, n'hésitez pas, comme d'habitude, à follow si vous tombez sur cette vidéo, que ce soit sur YouTube ou Twitch. Si ça vous plaît, on vous invite à passer nous voir en live tout au long de la semaine pour des découvertes, du fun, des partages de bons moments. Voilà, le classique.
Et je vous souhaite pour le coup une très bonne journée. Moi, je vais aller bosser. J'en ai pas tout de suite. On va gamer un petit peu hors live. Et puis, on se retrouve ce soir, 22h, si vous êtes OP pour nouvelles aventures. Sans doute ExoOne. Ça m'a chauffé. Et puis, voilà. Je me pose même la question si je pourrais peut-être même pas continuer le stream ici. Écoutez, je vais mettre un petit repère. Je vais terminer cette première partie de live en vous disant, ben, encore une fois, merci. Un petit repère pour ceux qui êtes sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à passer en live si ça vous chante, pour déconner en direct. Je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour vous qui êtes sur YouTube. Au revoir.